Salut les potes, je sais que ça fait très longtemps que vous attendez une vidéo sur les disques X35 et c'est aujourd'hui que je vous la fais, mais en fait il n'y a pas grand chose à dire. Si ce n'est que le disque X35, eh bien, comme son nom l'indique, il embarque 35 fréquences, alors que là nous n'en avons que quelques-unes. Mais ici on a 35 fréquences, on va de la basse fréquence à la très haute fréquence. On part de 4 kg pour aller jusqu'à 30 kg, ce qui nous permet de couvrir quand même la grande majorité des besoins pour les terres intérieures. Faut savoir qu'on montera très rarement au-delà de 30 kg, après si caviar c'est vraiment sur une toute petite partie des terrains, mais les 30 kg eh bien, nous permettront de détecter dans des terrains difficiles, pollués de ferreux ou minéralisés, ou les deux à la fois d'ailleurs. Et c'est tout l'intérêt de ces disques X35, eh bien, c'est de couvrir une majorité de besoins et donc d'être très polyvalent. Donc aujourd'hui, si vous devez n'avoir qu'un disque sur votre Deus, évidemment c'est un X35 que je vous recommande. Concernant la taille du disque, eh bien, ce sera en fonction de vos besoins, ça dépend si vous faites de la plage, de la forêt, des champs, etc. etc. Je vais pas vous refaire un détail là-dessus, j'ai déjà fait des vidéos sur les différents disques et l'intérêt des tailles, donc je vous laisse choisir par rapport à ça. En tout cas, moi j'ai fait le choix du très grand disque X35. Pourquoi? Eh bien parce que, vous savez, j'ai toute la gamme, mais j'ai surtout ce petit disque elliptique. Et pour moi, la combinaison idéale sur le Deus, eh bien, c'est d'avoir ces deux disques. Le petit pour les terrains extrêmement difficiles, le petit HF, et le très grand X35 qui va me permettre de faire de la recherche profonde et de couvrir quand même la grande majorité de mes besoins. Donc, si je veux faire un terrain de long en large, eh bien, avec lui, je vais gagner énormément de temps, et c'est ça qui m'intéresse. La différence de poids, évidemment, entre ces deux disques, hein, c'est très important, mais faut savoir que ces disques X35 sont quand même relativement léger, c'est beaucoup plus léger que les anciens, et vous pouvez aujourd'hui détecter plusieurs heures avec un disque de 34-28 sans avoir le bras en charpie, et ça c'est cool. Ce qu'il faut noter également, c'est que les disques X35, ils embarquent une nouvelle carte, ils proposent également une autonomie largement supérieure, on peut aller jusqu'à 40% d'autonomie en plus par rapport au disque classique, et puis ces disques arrivent avec la nouvelle version logicielle, la V5, qui transforme littéralement votre Deus, hein. On a beaucoup plus de stabilité, ce sont des disques qui sont très très stables, on peut vraiment pousser les réglages dans leur retranchement, et on peut aller chercher très profond avec ces disques si on le souhaite. Donc ça, c'est vraiment classe. Le Deus, bah justement, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a la V5, c'est 5 évolutions, c'est 5 détecteurs différents au final. On a un détecteur évolutif qui ne cesse de grandir et de s'améliorer. Et aujourd'hui, eh bien, XP vous propose ces disques qui sont complets et qui font du Deus un détecteur à part entière sur la planète détection et qui mérite vraiment le détour. Pour fêter l'arrivée de ces X35, les potes, vous savez que les potes de la maison de la détection, maintenant, ils soutiennent vachement la chaîne tous à poil. Et regardez ce beau t-shirt que j'ai XP Deus X35. Faut savoir que les 100 premiers qui vont acheter un disque X35 à la maison de la détection, eh bien, ils vont recevoir ce t-shirt. N'oubliez pas d'utiliser le code TAP2018 qui est toujours actif. C'est à partir de 180€ d'achat, évidemment. Mais mettez-le sur toutes vos commandes, hein, je vous le conseille. Et puis avec le code TAP2018, eh bien, évidemment, vous savez qu'il y a toujours des petits cadeaux. Donc n'oubliez pas de le mettre. Eh bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne détection, les potes. Passez nous faire un coucou sur Facebook, évidemment. Mettez du pouce sur cette vidéo. Mettez du commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions commentaires, on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible et le plus précisément possible. Et puis moi j'ai plus qu'à vous proposer prochainement une vidéo de sortie avec ce X35, et là on pourra vraiment parler technique, on sera sur le terrain, on verra vraiment ce qu'il a dans le ventre et on pourra littéralement lui arracher les tripes.